Moi c'est Marc-Henri Lucien. Moi gagne un peu l'honneur pour me parler de Lazy Wanamet. Un projet que nous avons caressé qui justement rentre dans la dynamique de sympathiser, de solidariser avec mon Wanamet. Mairie a pris un arrêté municipal qui crée une délégation qui quitte Lazy Wa avec un pierre qui sortit dans les entrailles communautaires et avec des plantules. On a scellé la relation que nous avons établie déjà avec Wanamet depuis 2013 à travers le mouvement Kitanago. 10 ans après, je dis à tout le monde, focus tout haïtien sous Wanamet à travers la construction Canalza, qui son mouvement combit et qui semblait tête coupée à la révolution haïtienne qui était banou 1804. Et je dis à son combit pour lever la dignité nation. Les Iwa pas de carité indifférent, ne serait-ce que levée de fonds que nous organisons pour nous contribuer à Moun Wanamet dans le niveau finance pour aider la construction canal là. Mais nous estimons nécessaire tout pour que nous déplacer en personne. Et ceci avec un roche qui sortit dans les entrailles communautaires à aller déposer sous canal là avec un marbre qui gravait les Iwa Wanamet nous accorder. Et c'est ça. Pour nous sceller la relation, le rapport ça, que nous établissons avec Wanamet, qui sont deux extrêmes pointes du pays, et qui voyait du coup un signal par le monde, par la communauté haïtienne, pour dire que nous avons fait un pile bagaille, le nous mettons tête nous ensemble, au même titre que nous avons fait en 1804, parce que nous avons fait sans moyen d'âme avec moyen de l'argent. Qui ça espère? À travers l'initiative ça. Nous espérons à travers l'initiative ça que Haïti tire en pile de lit. Exemple, c'est exemple combit, c'est exemple solidarité yon ak lot, c'est exemple unité qui a fait nous gen lot Haïti. Ya. Et c'est ça nous rêver, un Haïti de rêve, un Haïti côté que gen conditions meilleures pour tout le monde vivre. Et Haïti ça pas possible si pas gen tête ensemble, si pas gen solidarité yon ak lot. Faire loin contre et après, je pense que ça est extrêmement important pour une nouvelle Haïti que nous avons prêché. Un dernier mot? Eh bien, dernier mot, c'est remercier tout le monde qui a accueilli l'idée ça et tout le monde qui supporte nous. Je ne vais pas faire personnalité pour ne pas avoir jalousie parce que je ne vais pas citer tout parce qu'il y a un pile dans le monde qui supporte nous. Même je voulais remercier spécifiquement le PDG de la radio Ziwa Inter, en l'occurrence Perinel Almeus, qui lui-même est venu avec l'idée et qui mettait le corps et âme. Moi, je voulais citer seulement Perinel Almeus, mais toute l'autre équipe là embarquée pour que justement le mouvement ça ait été réussi. Mais nous avons dit que quand on a la pape campé, nous en mode KPK, comme on est capable de dire.